شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un petit résumé que nous avons arrivé hier, c'est que nous avons un débat niveau que nous devons faire un effort permanent dans nos ibadat, c'est pour combattre ce qui nous dit ria, veut dire faire quelque chose pour les autres buts apporte plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les citant d'Anziré, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il peut adresser son ban compagnon, il dit aux autres, est-ce qu'ils ont oulé, moi, informe aux autres, concernant quelque chose, moi, plus père pour aux autres qui Dajjal. Dajjal, c'est un grand fitna. Le prophète, presque tout le temps, il fait doa contre Dajjal. Et là, les vintiers, ce sont mes compagnons, est-ce qu'ils ont tous les moins forme aux autres, concernant qui quelque chose, mon plus père pour les autres, qui Dajjal? Moi, je dis, bien sûr, Ya Rasulallah, qui dit ça? Il dit, shirk al-khafi, shirk déguisé. Shirk déguisé. Je dis, Ya Rasulallah, qui veut dire shirk déguisé? Le prophète donne un super exemple. Il dit, shirk déguisé, c'est qui? Je prolonge, je namaz quand je connais qu'il y a quelqu'un qui paye les autres. Je viens de masjid, je commence à faire namaz, je connais qu'il un tel paye mon voisin paye mon prétend beau père paye mon je fais long namaz, un long recours pour impressionner lui. C'est shirk. Shirk dans ribadat, dans masjid, dans nos relations avec Allah. Et c'est pour faire nous comprendre qui. En permanence, nos visins amènent sa combat pour purifier nous l'intention, pour nous combattre sa shirk, cassette qui est capable de rentrer, qui est chétan, qui amène ça, pour lui polluer nos bonnes actions. Et en même temps, il y a quelque chose qui est une jolie parole, un grand imam, Imam Ibrahim al-Nakhai, il dit, si je peux faire un namaz, chétan vient avec autres, je ne décide pas de faire une jolie namaz. On fait une jolie namaz, un joli ruku, un joli sijda, un joli qiyam. Shaitan dit, hey, fais attention, hein? Fais attention. Tu fais le long ruku là, tu tombes dans le riya. Je veux payer toi, alors diminue ton ruku, diminue ton namaz. Là, il dit, zidha toulan. Quand ça, l'idée là vient, je fais plus long namaz que je suis capable. Parce que ça, c'est un piège shaitan, ça. Pour lui faire, ou faire ma namaz bicyclette, je dis non, gaspille, tu fais namaz, là, tu veux me payer toi, pas pour une sincérité, pas pour une valeur, tu tombes dans le cirque. Fais une petite namaz bicyclette, casse-casse, toi, allez. Non. Quand Shaitan met tout en garde contre rien, fais namaz la plus longue. Ou on vit le Coran. Pour faire un plaisir, nous avons un plaisir de le Coran. Nous avons dans la masjid, disons, un lire, on vit faire une pièce, on vit pas le Coran lire. Lire, on vit, comme tu dirais,
tirer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une idée de plus jolie façon qu'il y a, parce qu'il y a un plaisir dans lire le Coran, dans écouter le Coran. Finalement, j'ai entendu, hey, tu voulais le Coran là, il m'a dit, je vais passer bout en toi, voisin bout en toi, lire doucement. Non. Dans ce lire-là, lire plus joli capable, plus fort qu'il est capable. Combattre Shaitan, faire le contraire, parce qu'il est pour servir ça comme une pièce pour 10 000 ou 20 000. Effectivement, le Coran, c'est un petit peu notre thème. Aujourd'hui, c'est qui dans sa thématique autour de l'amour Allah subhanahu wa ta'ala, autour de son travail qui nous a fait le nous l'intérieur, le Coran, il a un rôle central là-dedans. Et nous avons un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, « Wa man taqarrab al-ibad ila Allah bi mithli ma kharaja minhu » Aucun bon serviteur, pas pour capable d'approcher avec Allah, excepté à travers ce qui vient de Allah lui-même. Mais si nous voulons approcher avec Allah, nous obligez pas ce Coran, ce qui sort de Allah lui-même. Et nous trouvons qu'il y a une relation entre nous avec le Coran et nous avec Allah. C'est un faux qui nous trouve, ben qui proche. Je vais prendre l'exemple à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba et ben qui ont toute sa génération là. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit une parole, personne parmi eux, pas besoin de poser aucune question excepté concernant le Coran. Personne parmi eux, pas besoin de poser aucune question excepté concernant le Coran. S'il est content Coran, s'il est content Allah. S'il est détesté Coran, c'est qu'il détestait Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une première indication ça. Est-ce que dans moi avec Coran, est-ce qu'il nous proche ou bien nous loin? Est-ce qu'il commence à aller Coran, ah, pour aller à Coran là? Ah yo, laisse-le t'aller plus tard. Laisse-le dimanche, laisse-le vendredi quand baigner. Si nous trouvons Coran est loin avec nous, c'est une indication que nous loin avec Allah. Et si nous trouvons qu'il nous proche avec le Coran, chaque fois que nous rentrons dans ma zid, une question, nous avons 5 minutes, nous trouvons que ouais, on ne pense pas, on pense que au potable, on commence à dire, vous trouvez que le Coran est accessible à vous, il est facile, il a une grande place dans la vie. Comment vous avez un petit temps dans le travail, où tu es au potable, où tu es au Coran, nous commence à lire. Dans le bis, où tu es au Coran, nous commence à lire. Si vous trouvez que le Coran est accessible à vous, c'est une preuve qui vous proche avec Allah. Mais si le Coran est loin, ou la dernière fois, je suis le Coran, tu connais, Dadi, tu es beau, tu es dans ma yette, après ça, je ne pas croire. Non, tu es dans ma yette, un poupou, moi, tu prends le Coran, après ça, je ne pas trop connaître comment tu prends le Coran. Si le Coran est loin, c'est une indication qu'Allah aussi est loin avec nous. Si nous proches avec le Coran, c'est que nous proches avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons envie qu'Allah compte en nous, développe l'amour pour le Coran. Et nous gagnons cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand elle dit, si j'ai envie de connaître, si j'ai envie de connaître qui quantité l'amour Allah est dans les autres, si j'ai envie de connaître qui quantité l'amour Allah est dans les autres, alors guettez qui quantité l'amour pour Coran est dans les autres lesquels. Si j'ai envie de connaître qui quantité l'amour Allah est dans nous, nous tous les gars disons oui, nous comptons Allah, nous comptons Rasoul, mais nous ne m'assurons pas de donner un test. Si j'ai envie de connaître qui quantité l'amour Allah est dans les autres, mais check and cut qui quantité l'amour Coran est dans les autres lesquels. C'est un lien ça. C'est un lien. Et nous revenons à sa parole, Othman ibn Affan, radiallahu anh, qui dit « Wallahi pa'alna, law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina » Si nous les cœurs t'y propres, jamais nous t'y pourrons rassasier avec parole Allah. Si nous les cœurs t'y propres, jamais nous t'y pourrons rassasier avec Allah. Et là, dis-moi, il prend content d'après 5 minutes, il est fatigué. 5 minutes, ouais, mon fils, il y a 5 minutes là. Avant de commencer, il commence à dire, attends, vous voulez ça, vous pouvez arrêter, 10 versets, vous pouvez arrêter. Donc, tout lui retourne à sa notion de l'équerre. L'équerre, c'est là, ça l'intérieur, c'est là que nous faisons faire travail pour qui nous faire, nous amène l'amour pour Coran, nous forcer. Là-dedans, nous faisons forcer, absolument les enfants. Les enfants, vous connaissez, on a un petit baba, il n'est pas les manger, mais c'est moi qui connais qui sa nourriture là, c'est il est sur la santé, il est sur la vitamine, sur le minéral, tout là-dedans, ou trapli, ou fonce ça dans son. Donc sur la bouche, si bizin, on dirait, ou pèse, ou fait des manches, nous dans le même l'état. Quand nous bizin, capable, force dans nous, nous commençons à dire, Baba, qui se m'amène, force au biberon de sur la bouche, nous aussi pareil, nous bizin, capable, force nous,
avec certaines pratiques, avec l'espoir, voilà, mon père, fais un zéro vers qu'on avec les temps, doucement, vous trouvez, les vignes partie de la vie, vous commencez à développer l'amour pour lui, ou pas pour qu'on s'en passe. Comme je disais aujourd'hui, vous prenez le Coran, vous êtes malade, même les 11 à soir, vous levez, vous prenez le Coran, vous lire 5 versets, 3 versets, mais les quand même versets. Ça, c'est l'île centrale. Et le Coran, nous comptons tous les hadiths concernant l'importance du Coran dans la vie. Mais ce que nous avons de thématique, c'est autour l'amour Allah dans la vie. Dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Celui qui dans son équerre n'a pas d'un noyer de Coran, du coup même la case qui est abandonnée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une faveur qu'Allah te donne, c'est qu'il y a une éloquence extraordinaire. Il est capable d'avoir un message faux dans une des trois paroles. Et là, il est particulièrement dans ce hadith-là. Si dans ce qui nous propose 10 minutes, oubliez tout, n'est-ce pas, il dit ça. C'est lui qui est dans son équerre, n'a pas n'a depuis le Coran, il y a la case abandonnée. Imaginez-vous dans l'endroit où la rue, quand vous avez une jolie, jolie la case, béton bien peinturé, mobs, jolie, une la case abandonnée, une la case qui tirance de la sam, après, cassine finie, dit qu'on a quitté une allée. Tiens, bout de crown laine, un man squatté, une vine laine, dans un petit la case, j'y bois, après une quitter, une allée, les restes de la case abandonnée. Qui sont l'état, ça? Numéro un, c'est un eyesore, numéro un, c'est un, ou guetté même, ou malade. Mauvais air partout, l'alliance sauvage, les chiens marrons viennent mettre bain là-dedans, closer viennent rentrer là-dedans, viennent faire toilette, viennent faire pipi, viennent faire besoin. Drogué, vacabond, vient zone là-dedans pour faire une petite activité louche. C'est ça, c'est la case abandonnée. Avec les temps, ils continuent détériorer, il y a les mêmes. Et qu'il faut aller dans le djinn, dans le shaitan, dans tout quelque chose de malpropre. C'est la case, c'est l'équerre, qui peut être dans le courant, c'est la case abandonnée. Dans la nature, il peut être dans le qui est vide. Un terrain n'est pas vide. Si vous quittez l'île, automatiquement, vous trouvez qu'il y a une mauvaise herbe poussée, l'alien et tout. Pareil comme ça, nous les guerres, si nous ne prenons pas les soins, c'est quelque chose de malpropre qui va rentrer. Mais là, ça qui veut dire que si moi, je trouve que, malgré mon phénomène, mais en permanence, je trouve quelque chose de malpropre qui vient dans la tête. Quelque chose de mauvaise idée, mauvais esprit, l'esprit noir, l'esprit cabossé, une pensée obscène qui n'a trait avec perversion, ou soit même quelque chose de malpropre qui n'a trait avec tout le temps être en écarté. Ouais, mon gars, si je me suis dit, si je me rentre, je m'attends le remorque, la mode de là. Right. Ouais, ça, on est arrogant. Tout le temps, on a quelque chose de malpropre. C'est qui? Ça veut dire qu'au niveau moléculaire, il y a un grand manquement par rapport au Coran. Hibs Coran, c'est un remède contre pensée malpropre. On prend le Coran par cœur. Mémorise le Coran. Et pas les personnes qui ont dit Hafiz. Tu n'as pas un Hafiz comme le Cheikh Hussein ou bien Omar. Mais même dans ce qui nous connaît, casse-cassé. C'est ces efforts-là qui est important. Néanmoins, il y a aujourd'hui l'histoire, une madame dans l'Arabie, Oum Saleh, elle vient hafizat tout le Coran, elle a 82 ans. 82 ans, elle vient hafizat le Coran. Nous, nous ne pouvons pas hafizat le Coran. Mais au moins, elle a des efforts pour apprendre un petit verset, pas en plus. Elle ne peut pas dire chaque jour, on apprend un verset, nous disons chaque deux jours, elle nous dit chaque une semaine, on apprend un verset. Chaque une semaine, Moïse augmente. Ce qui était dans mon équerre, par un verset. Nous, j'ai dit dans un mois, mon récit apprend. Nous, j'ai dit dans un mois, nous prenons deux versets. Dans une bonne année, allez, nous prenons 10 versets dans une bonne année. Ce qui m'a resté pour vivre là, tout le monde connaît comme est capable 6 mois, capable 6 ans, capable 6 jours. Mais au moins, il y a des efforts là. Une demande de résolution en 2018, il y a un arabe, je peux essayer de procéder au Coran. Je peux apprendre comment lire, je peux faire des efforts pour apprendre avec un petit peu de tajwid. Mais pour apprendre, c'est mémoriser un petit guide. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans son sagesse incroyable, l'infirme qui. Ou imaginez-vous, si tout surat de Coran, tu commences sur la Baqara. Long, tu peux la 40 rukou. Je ne sais pas, inaccessible ou non. Mais Allah met une série incentive, une série d'encouragement pour moi qu'on apprend le Coran. Pour nous gagner au moins le Coran dans nos lesquels. Fais-nous comprendre où il y a surat Ikhlas. Allahu Allahu Ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
nous avons récompense entier Coran. Entier Coran. Ou les colliers du Kafiron, nous avons récompense encore Coran. Ça, c'est ben l'encouragement qu'elle a de nous. Ou les NVC de Coran, NVC, pardon, NLIT, pas NVC, NLIT. Alif lam mim, non, 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 Alif, ou bien 10, lam 10, mim 10, il fait 30. Ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un vieux Coran qui naît à l'encouragement pour trapper le Coran. L'encouragement pour apprendre, pour partager, pour mettre en pratique. Parce que le Coran, vous avez nos compagnons. Le Coran, c'est lumière, Allah subhanahu wa ta'ala. Lumière. C'est la lumière qui est capable de trapper. C'est le Coran. La lumière, là, type, on ne peut pas attraper la lumière. On ne peut pas attraper un type, on ne peut pas attraper la lumière. C'est la lumière qui est capable de trapper, c'est le Coran. Et c'est une lumière qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'Allah voulait qu'il nous donne le cœur. Parce qu'on sait qu'il n'en prend pas le cœur. Quand on trappe le Coran, ne fait qu'on connaît l'âme, on trappe une lumière qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Qui descend le démon plus extraordinaire qui vient d'exister sur la terre, en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour amener ça depuis là-haut, Allah ne choisit pas n'importe qui, il choisit Jibril. Ça livre, là, il est dans le mot la main. Il est dans le mot la case. Il est dans le mot poste, le mot potable. Qui quantité d'opportunité Allah nous donne? Alors, c'est concernant, effectivement, ce que nous avons besoin, au niveau, nous l'intérieur, faire un effort pour qui nous le Coran. Qui quantité, ben, sahaba, ben, tabirin, type le Coran. Et nous avons un sif qui est extrême, nous plutôt pas dire, il paraît incroyable. Mais dans ce qui paraît plausible, ce qui paraît, dire, pour nous, il est capable d'inspirer nous pour faire des efforts. Qatada, rahimahullah, c'était un kiken qui lit dans ce timetable, il faisait TMIN, en khatam Coran, chaque 7 jours. Chaque une semaine, il TMIN, en khatam Coran. Il faisait une banane, il faisait 52 khatam Coran. Nous avons par exemple, Al-Aswad, rahimahullah, lit. Les émettis le holi qui l'ibou bizet termine Coran chaque 6 jours. Chaque 6 jours, l'ibizet termine Coran. Ça, c'est ban djimoun qui s'y met ban target dans la vie. Tu connais qui veut dire ça? Lire Coran. Lire Coran. Ça, c'est point de départ. Et par rapport à lire Coran, Khalil, je vais vous citer beaucoup de fois dans ce petit moment qui nous besoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre. Qui celui qui lit le Coran bien mahirun bihi, les fluents, les alhamdulillah, les maîtrises du Coran, les prononcer bien, les nzul al-qiran, ma'a safarat al-kiram al-barara. Je peux accompagner un ange noble qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, un qari, un cheikh qui peut faire tarawih, alhamdulillah, manchawi, abdus samad, sudeis, shrim, c'est bien, j'ai mon qui lit le Coran bien. Et place que l'un réserve pour eux, c'est une place élevée en compagnie d'un ange. Mais ça dit qu'il n'y a pas connu le Coran. Mais c'est mal, il fait effort. Il y a ta ta, comme le prophète dit. Il tâtonne. Il y a une difficulté pour prononcer parce qu'il n'a pas de dentor. Son kha pas bon, son dod pas bon, son ain pas bon. Mais seulement, il fait effort. Il continue, il n'est pas abandonné. Le prophète dit lahu ajran. Il y a deux fois plus de récompense qui cherche Soudais, qui est Manchawi, qui est Shrim, qui est Mahir. Deux fois plus. C'est Allah sous générosité, ça. Allah ash-shakur. Il connaît dans quel contexte nous étions. Donc, n'importe qui l'âge qui nous était, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, nous imposons le nom qui est pour essayer d'apprendre le Coran. Alif B, oui, Alif B nous dit là. Rien à apprendre. Nous croyons des gens dans l'endroit, une famille, un proche, un neveu, un petit enfant, même nos petits enfants. Tu es en Chine, tu es dans le maktab, tu as demandé à l'époque, pas dans le maktab, pour avoir un sens pour aller. Depuis aujourd'hui, nous mettons un plan, une fois par semaine. Deux fois par semaine, te montre ma Coran. Montre-toi le Coran, dada? Oui, te montre ma Coran. Je peux prendre le Coran dans toi. Tu es mon professeur, mon tous élèves. Pas besoin de honte. Nous faisons des efforts. Nous lisons le Coran, mais nous ne sommes pas trop contre les juifs. Nous redonnons quelqu'un dans nos familles, dans nos endroits. Nous disons dans la masjid, nous disons nous mains. Bizarre, moi, envie de corriger les juifs. Vis-à-vis du Coran, il ne faut pas être une fausse barrage. Parce qu'aujourd'hui, dans 2018, nous ne payons aucune raison. Pour ne pas connaître le Coran.
Pas quand c'est le temps qui nous a, pas quand c'est l'opportunité qui nous a. Et le Coran est accessible pour tout. Il donne nos portables, il est avec nous, n'importe quoi nous mettez. Nous dans bis, nous dans la gare, nous dans la rue, nous dans le travail, dans la quincaillerie. Le Coran est accessible. Nous pouvons rater beaucoup si nous ne pouvons pas faire ces premiers efforts là, prendre le Coran. Mettez en pratique le Coran. Avant de prendre le Coran, c'est déjà comprendre le Coran. Comprendre le Coran. Il y a un dars partout dans le masjid ici. Partout dans tout le masjid entier, Maurice, il y a un dars. C'est une leçon qui fait. Pour qu'on message le Coran. Nous avons fait des efforts pour nous connaître le message du Coran. Il y a un moment d'entendre, l'occasion pour trapper ton livre, il y a un arabe, nous avons fait des efforts pour apprendre. En même temps, nous avons une leçon pour aller. Ça, Allah pour que ça s'effort là ça et Allah t'a dans ce sunna ou fait un pavé lui fait 10 pavés lui fait 10 pavés donc pareil les Coran pour connaître message là comprendre ce qu'il y a là-dedans apprendre pas qu'il n'est pas trop tard pour nous apprendre même qui quand c'était qui nous l'a tête nous dire nous l'a tête dire nous l'a tête remplir tracas 65 bananes tracas. Il n'est pas trop tôt pour nous mettre un timetable pour apprendre. Mais nous disons, nous apprendre un VSC par mois, pas faire rien. Allah pour être zéfo, là, lui. À chaque cours, pour être zéfo. Si d'ici là, jusqu'à mon moment, on devrait apprendre 3 VSC, nous j'ai 3 VSC dans 3 ans, Allah pour donner une récompense pour ça, zéfo, 3 VSC là. Dans ce mais Allah, il n'y a rien qui tombe dans le dilo, il n'y a rien qui vient. Ça nous a garanti, ça a blâdi vie, ça a petit zéfo qu'ils m'ont fait là pour qu'il fasse 10 pas pour la suite. Donc, lecture, compréhension, pratique, mémorisation. Et dire quelque chose, essayez, propage l'islam dans ce qui nous connaît. Nous n'avons pas besoin de grand arrêt, mais au moins dans ce qui nous connaît, nous partageons avec nos madames, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Nous disons dans la case, quand nous avons une occasion, nous finissons de manger. Quand nous avons ce que nous apprenons, nous essayons de partager. Ça, bizarre, nous efforts vis-à-vis de Coran. Et nous gardons en tête que ça, Coran, c'est un livre qui, en tout point, c'est un livre extraordinaire. Sublime, majestueux. Si t'en faut, dans ce l'intérieur, comme dans ce l'extérieur, dans ce style, comme dans ce message, qui personne peine reste insensible à Coran. Nous trouvons l'ennemi plus féroce qui vient. Dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des adversaires, l'ennemi qui vient, c'était Walid ibn al-Mughira. Walid, c'était un quelqu'un qui se reconnaît comme une référence de la poésie. C'est un quelqu'un qui maîtrise la poésie arabe. Il se reconnaît comme une référence, comme un intellectuel de cette époque-là. Il vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed, récite quelque chose de ton Coran. Récite un bout de ton Coran. Comme ça, là, au pied levé, les vingt-jeunes, ça. Le prophète, il a choisi un surah, par exemple, Ar-Rahman, qui a un rythme, qui a un style bien particulier. Le prophète, là, c'est le Coran, qui nous a cité dans les tours de Juma. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita idil qurba, wa yanha anil fahsha wal munkari wal ba'i, ya'idukum la'allakum tathakkaroun. Dit en ça. Le prophète, il a dit, lui. Qui est l'angel là-dedans? Inna Allah ya'murukum bil adl. Allah ta'ala fin odun zot al adl, la justice. Wal ihsan, traduit par l'excellence. Wa ita idil qurba, dépense le ban pros. Wa yanha anil fahsha. Et Allah ta'ala fin interdit, fin empêche zot faire al fahsha. Tout quelque chose qui n'a trait avec l'immoralité, mais quelque chose obscène. Wal munkar, munkar c'est l'injustice. Wal baghi, baghi c'est rébellion. Transgression. Ya'idhukum la'allakum tazakkaroun. Li donne zot man instruction afin qu'ils soient capables de prendre compte. Surah 16, verset 90. Quand Walid est fini dans ça, il dit, oh Muhammad, tu peux répéter encore. Le prophète il relit encore. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tazakkaroun. Walid ibn al-Mughira, un de mes ennemis assassiné, féroce, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, poussé par sa fascination qui est dans sa vie, c'est là, lui dit, Wallahi, par Allah, tu es un mushrik, mais ça, je crois dans Allah, un arabe dans l'époque, prophète,
So tu connais Allah, je m'en pour bon Dieu c'est Allah. Wallahi, inna lahu la halawa. Là-dedans, il y a la douceur. Il y a la douceur. Wa inna alayhi la talawa. Et là-dedans, il y a un somme. Dans ce qui donne fixe, il y a un somme. Il contient pour dire que ça, c'est un livre qui lui besoin de dominer. Non, il n'y a pas pour dominer. Il crase tout ça qui est en bas. Voilà, il peut être dans la poésie. Là. Mais il vous domine toute la poésie, toute la œuvre littéraire qui dit mon produire. Ça croit en elle, il dépasse tout, il vous détruit tout, il plie faux qui tout. Et il termine par dire, un café, il dit, wa ma yakoulu haza bashar. Et ça, ce n'est pas parole en djimoun, ça. Ça, ce n'est pas parole en djimoun, ça. Bizarre qui ça être là, il sorti de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement par ce, l'arrogance, par ce, le comment dire, cette arrogance tribale, par ce, préjugé, il vous venez de l'ennemi, il vous la guerre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement par rapport à Quran. Les boubisins forcés par majesté Coran, beauté Coran, par la force Coran, les pour reconnaître que c'est un livre sublime, fort, plus fort que tous les restes. Ce n'est pas parole d'un humain, ça. À partir de là, on nous pose une question, mais moi, qui quantité me laisse-moi fasciner par Coran? Qui quantité admiration moi pour Coran? On sait Coran, c'est un livre parmi tous les autres livres, parfois quand il y a un mot de la case, je lire pour pousser diable. Après ça, quand il y a l'autre l'amour, je pourrais lire. C'est ça l'injustice que moi, nous faisons envers Coran. C'est que nous pouvons recourir ça, retourner vers Coran. Faire Coran rentre dans nous la vie. Faire Coran rentre dans nous la vie. Nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les jours, 365 de 365 jours, je vous trappe tout livre, Yarab. Je vous trappe tout livre. Tous les jours, je vous mettez moi-même. Nous ne pouvons pas voir comment attendre, ou bien Aswad, qui est capable, qui se tient imposé, qui tous les autres, je vous dis, 5 séparats. 4 séparats par jour. Mais au moins, nous disons 5 pages. Mais non, 5 pages, pas capable, je suis bloqué. Nous mettons 5 versets. Difficile, 5 versets, je suis difficile. Nous mettons un verset. Un verset, mais c'est pas un verset. Tous les jours, tous les jours. Là, dans le Ramadan, alhamdoulilah, il y a un, alhamdoulilah, l'atmosphère, la même, les pour Coran. Mais c'est pas nous dire, dans l'après-Ramadan, je mettre une résolution qui, je vais vous lire, c'est un nombre verset Coran tous les jours. Tant qu'il ne m'attrape pas le Coran, je ne vais pas ouvrir le lit, je ne vais pas lire sa quantité qui m'a décidé là, je vais vous dormir. Tous les jours, samedi, dimanche, quand il y a un cyclone classe 4, quand il y a un force flood, et dans l'anniversaire de Belmer, dans n'importe quelle circonstance, je vais vous lire sa quantité avant de dormir. Nous imposons dans la même lecture. Essayez de comprendre le Coran. L'internet a beaucoup de causes, de dars. Nous, nous sommes à il y a un Coran en entier qui fait ce tafsir. Ce qui nous capable de gagner, il y a en anglais, il y a en français, il y a en ourdou, que nous capable de redonner l'occasion d'écouter une fois par semaine, mettre un petit dars 20 minutes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vin dans ma masjid. Quand vous êtes, ou dans le salon, ou dans le lit, ou pouvez dormir, filmer tout pyjama, ou pas dormir, mettre tout polo, ramasser ou bien, mettre ça devant vous, écouter 20 minutes. Donc, confondre ou sans m'accoucher, mais seulement. La connaissance, on n'est plus besoin d'aller vers la connaissance. La connaissance, il vient vers nous. C'est ça qui est extraordinaire dans 2018. Mais c'est pas nous pour 10 fois plus coupables si nous présentons divin. Là, moi, pas qu'on est dans ton livre arabe. Toi, tu ne vis dans 2018, tu n'as pas qu'on est dans le Coran. Quand le Coran, tu rentres partout. Quand là, il y a des risques de la cuisine, il continue à fricasser sur lentille, il continue plus sur calbasse, il met sur YouTube 20 minutes, il écoute. Dans le langage, qu'il est capable. Nous payons aucun prétexte pour être djahil dans 2018. C'est ça que nous devons comprendre. Nous payons aucune raison, aucune justification, aucun prétexte pour être loin avec le Coran. Nous demandons qu'Allah fasse nous tous ici. Allah fasse permettre-nous, permettre que le Coran rentre dans nous la vie, le Coran rentre dans nous les cœurs. À partir de Allah fasse donne-nous l'amour pour le Coran. Nous mettons nous-mêmes qui tous les jours nous imposons nous-mêmes pour nous lire le Coran. Et qui nous mettent un timetable, nous pouvons essayer de faire un petit hives, même nous dire NVSC par mois, allez, NVSC dans 5-6 mois, pas faire rien, ça c'est faux pour apprendre avec Coran à travers lecture, compréhension, pratique, mémorisation avec propagation. Allah t'a fait qu'il accepte de nous dire faux. Subhanallah, wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته